Salut, je suis à la table d'orientation des Petites Maures, à Roquebrune-sur-Argence et plus précisément aux Issambres. J'ai une vue de dingue juste derrière moi. Venez avec moi, on va aller voir si on emmène les enfants. C'est parti! La promenade commence donc ici. Je me suis garé juste au niveau du cimetière communal des Issambres. Et je vais donc emprunter la piste du chemin de la Gaillarde. C'est parti! Après 250 mètres, on arrive à une bifurcation. Là, on a un petit panneau qui nous propose de suivre le sentier agriculture. Moi, comme je souhaite aller le plus rapidement possible au niveau du belvédère des Avelans, eh ben, je passe sur le petit pont, donc à droite. Et là, je vais aller à gauche. Il y a encore justement un panneau, plusieurs panneaux. À droite ici, vous pouvez aller au sentier de l'agriculture et le sentier agri-hautier. Et là ici, avec ce panneau, on va aller sur le sentier histoire ruine de Roquerolles. C'est par là que je vais passer. Ensuite, après un petit peu plus de 400 mètres, on a une nouvelle bifurcation. Et là justement, on a les ruines à gauche et le sentier des roches à droite. C'est celui-ci que je vais prendre. Les ruines, je les ferai au retour. Là, ce que je veux, c'est vraiment aller directement au belvédère. Et le sentier est très praticable pour les poussettes tout terrain. C'est très sympa. Alors, je reviens juste sur ce que j'ai dit sur la praticabilité du sentier. Ça l'est beaucoup moins. Là, après quelques mètres suite à la bifurcation, donc pour les poussettes, je vais voir par la suite, mais c'est un petit peu moins pratique d'un coup. Alors par contre, on arrive tout de suite à un endroit très très joli, on aperçoit la mer là-bas, et surtout on est déjà au cœur de la forêt, et en plein soleil. Je vous laisse apprécier le petit dénivelé que je viens de me faire. On a dû se faire 15-20 mètres d'un coup. Ça fait monter un peu le cardio. Mais ça vaut le coup, parce que regardez. Regardez le magnifique endroit dans lequel on arrive après 3-4 minutes après la bifurcation précédente. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc là, ça fait moins de 2 km que je marche, ça monte bien, hein. Mais par contre, regardez, on a très fréquemment de magnifiques points de vue sur toute la forêt et la mer. Donc c'est vraiment agréable, c'est pas facile pour les plus petits. Je vais voir si en passant par un autre chemin, ce sera peut-être un peu plus doux, mais peut-être en descente, ce sera intéressant. Et là, j'arrive bientôt au belvédère. Regardez encore ici, joli point de vue, toujours le même, hein, mais un petit peu plus haut. Toutes ces fleurs qui commencent à arriver là. Ce qui est formidable, c'est vraiment le silence, le calme. On n'entend que les oiseaux, les abeilles. C'est parfait. Après 2 km 300, on arrive à un sublime point de vue. Alors là, c'est plus sur la maison qu'autre chose. Et là, on continue. Donc, si vous en avez marre, soit vous redescendez par là où vous êtes venu, soit vous redescendez par ici, soit vous continuez par ici. Là, vous avez un panneau qui est écrit sentier agriculture et sentier agri-hautier. Et c'est par là que se trouve le belvédère. Donc, moi, j'y vais. Après 2 km 700, on arrive à une nouvelle intersection. Ici, ça nous indique que si on redescend, on passe par la Gaillarde, c'est ce qu'on a fait. Sinon, à gauche, on va au col du Bougnon. Et on a un autre panneau ici qui vient nous confirmer qu'on est sur le bon chemin, avec notamment le dolmen de la Griotier et la table d'orientation. Donc on passe par ici, on grimpe encore. Là, quelques mètres après, inutile de vous rappeler qu'on va encore un petit peu monter, mais vraiment, vraiment à la fin.
Alors après 3,5 km, on n'est pas encore arrivé à la table d'orientation, on est arrivé à une citerne. Par contre, on a une vue ici à 360 degrés, aussi bien donc sur la mer à droite que sur tout le Var à gauche. Et c'est tout simplement sublime. Et nous, on va continuer dans ce sens-là pour aller jusqu'à la table d'orientation. Quand vous arrivez à cette bifurcation, il faut monter à gauche en direction du dolmen de la Griotier, qui est annoncé à 5 minutes. J'en profiterai aussi pour aller le voir, mais la table d'orientation est en haut. Et après 3,5 km, on arrive donc à la table d'orientation du site des Petites Maures, avec une vue imprenable sur Fréjus, Saint-Raphaël, les étangs de Villepé, la plaine de l'Argence, l'Estérel, l'Est-Var. C'est sublime. Bon, alors je quitte cette table d'orientation qui est tout simplement magnifique avec un point de vue sublime pour aller à la recherche du fameux dolmen qui était indiqué sur le panneau tout à l'heure et que je n'ai identifié nulle part ailleurs, donc je vais essayer de le trouver. Et après je redescendrai donc au point de départ, mais en empruntant un autre chemin, je vais passer par les ruines de Roquerolles qui ont l'air très jolies. Comme ça, ça vous permettra de choisir le chemin que vous emprunterez pour venir jusqu'à cette table d'orientation. C'est parti. Donc j'ai trouvé le dolmen à seulement 300 mètres après la table d'orientation. On a même un petit panneau explicatif de cette sépulture qu'on découvre ici. Donc ça vaut le coup de venir avec les enfants pour leur montrer. Ensuite, il faudra repartir par là, remonter et revenir en arrière. Donc là, on revient au niveau de la citerne et on reprofite encore de cet endroit juste magnifique, cette vue franchement imprenable. Elle est différente de celle de la table d'orientation, mais elle est vraiment belle. Donc là, on arrive au croisement par lequel on est arrivé tout à l'heure, on est arrivé par en bas ici. Et là, si vous vous souvenez, il y a le petit panneau qui nous indiquait le dolmen de la Griotier et la table d'orientation. Et donc là-bas, par ici, on va au niveau du col, donc soit col du Bougnon, soit on prend à gauche et on commence à redescendre, soit on va juste au-dessus à droite pour aller voir la vue. Moi, c'est ce que je vais faire. De toute façon, ça se recoupe après, donc on va aller voir la vue. Donc là, on arrive à de nouvelles citernes. On va aller juste regarder la vue qui s'offre à nous de ce côté-là. Je pense que ça doit être pas mal du tout. Et en effet, c'est très très joli. Et on continue par là-bas. Et comme je vous disais, ça recoupe avec la petite piste qui était là. Donc profitez de la vue, ça vaut vraiment le coup. Et quelques mètres seulement après l'intersection, regardez, on a déjà encore une nouvelle vue, notamment sur le golfe de Saint-Tropez. Très très joli. Et là, ça commence à redescendre, c'est parti. Là, après 1 km 300, on va quitter la piste avant de remonter et on va descendre. Donc là, ça descend beaucoup. On a une citerne qui est là comme repère, mais là clairement, donc ça veut dire que la montée elle est rude également. Donc je sais pas si ce sera un meilleur plan que le chemin du départ, on va voir ça. Ouais, ça descend vraiment bien. Je vous laisse apprécier le dénivelé. Ça ressemble un peu au chemin de l'allée. Et donc juste après la descente, on arrive au niveau des ruines de Roquerolles. Je fais un petit tour dans les ruines pour vous montrer. C'est assez impressionnant. Hop. C'est vraiment très joli.
et on a un petit panneau ici qui nous explique le pourquoi du comment de cette ruine. Donc c'est intéressant pour les enfants. Et alors, ce qui est sublime sur ce site là, et c'est pour ça qu'en fait il faut vraiment y passer, c'est qu'on est dans une oliveraie, une magnifique oliveraie, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais on est entouré complètement d'oliviers. Et il y a notamment un petit panneau qui explique quelques informations sur cette oliveraie, notamment les soucis qu'elle a connus et comment ils ont réussi à la régénérer. Ce sera très intéressant pour les enfants également. Je vous invite véritablement à venir découvrir cette oliveraie et cette ruine. Et je continue à descendre. Bon, ici aussi le chemin est très escarpé, très accidenté, donc pour les poussettes, je suis désolé, mais il faudra oublier, il faudra passer par les grandes pistes uniquement, désolé. Alors là, c'est pour les yeux que je vous offre ces petites images, ce petit sentier avec tout plein de fleurs de lavande sauvage. C'est sublime. Et là, on arrive sur la piste, donc pas compliqué. On va continuer à descendre. Il y avait une source que je ne suis pas allé voir. On repart par ici, on continue. Alors, en arrivant sur cette piste, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais emprunté un sentier depuis la ruine de Roquayrolles. Alors qu'en fait, il y avait cette piste-là qui arrive un peu plus haut dans le site de la ruine. Donc j'ai pas pu le tester du coup, mais peut-être que cette piste est plus accessible pour les poussettes par exemple. Donc à tester. En tout cas, les deux mènent à la ruine de Roquayrolles. Elles ont le petit panneau qui l'indique. Et là, j'arrive sur une autre piste encore. C'est la suite en fait. Hein. Là, on a le panneau qui indique la ruine de Roquayrolles. Donc on continue, on redescend, on continue de descendre. Et là, ça y est, on arrive à la piste initiale qui indique la ruine de Roquayrolles à 20 minutes et le sentier des roches que j'avais emprunté. On est sur la fin. Et voilà, j'arrive à la fin de cette promenade qui était véritablement une magnifique promenade que j'ai découverte avec cette vidéo. Sincèrement, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le en passant par la ruine de Roquayrolles parce que c'est vraiment magnifique. Et ça a l'air d'être finalement plus court que le premier sentier, le premier chemin que j'ai utilisé. Je vous mettrai toutes les infos sur le site. Mais vraiment, c'est magnifique, ça vaut le coup. Et la vue en haut, elle est sublime. Ce fameux site de l'oliveraie avec la ruine de Roquayrolles, superbe. Ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis plutôt, passez par rester sur la piste. Et non, le petit sentier, même s'il est balisé, comme ça vous pourrez passer par la source. Ou alors vous faites une petite boucle si vous n'avez pas prévu de monter jusqu'à la table d'orientation. Mais en tout cas, si vous êtes du côté de Roquebrune-sur-Argent, Saisy-Sambre, ou même faites le déplacement, ça vaut vraiment le coup de passer une journée ici. C'est vraiment sublime. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une nouvelle promenade. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, sortez les gosses. À bientôt.